Nous vous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, cher Père d'amour, nous venons devant toi t'exprimer nos chants de louange. À nouveau, louer ton saint nom. Te glorifier. Pour dire devant tout le monde combien tu es fort et grand. Combien ton amour est infini, non seulement envers nous, mais envers toute ta création. Nous sommes emplis de reconnaissance pour tes bienfaits. Nous vivons constamment ton intervention. Nous sentons ta main paternelle qui nous accompagne. Tu nous donnes un apôtre patriarche. Tu nous donnes des serviteurs et des servantes avec qui nous œuvrons et nous marchons vers un même but. Quelque part, tu nous as inclus dans ce plan. Tu nous fais de bien. Et même à travers des moments difficiles, nous sentons ta main ne nous abandonne jamais. Tu as été toujours là. Tu es là. Et tu seras toujours là. Cher Père Céleste, nous prenons cette occasion ensemble pour mettre devant toi nos soucis. Ça ne manque pas, on a des souffrances. À nouveau, nous sommes dans le deuil. Nous pleurons, il y a la douleur. Il y a des circonstances qu'on ne peut rien faire. Mais nous mettons ça devant toi, car tu peux faire toutes choses. Si c'est ta volonté, change la situation. Mais fais en sorte que nous puissions toujours sentir ta grâce. Ton appui, ta force. Accompagne tes enfants à travers même la tristesse. Donne consolation. Renouvelle la force et ta joie. Cher Père Céleste, ton serviteur, l'apôtre patriarche, devrait être ici. Et donne à lui consolation, mais la force nécessaire. Mais nous voulons suivre pas à pas. Et qu'à travers aussi l'esprit, nous puissions entendre ta voix, sa voix. Nous pensons à nos bien-aimés dans l'au-delà. De plus en plus, nous avons un investissement dans ces royaumes. Mais ce matin, qu'ils viennent à souper avec nous. Que rien n'empêche cette bénédiction, cette parole pour eux. Permets maintenant que ton esprit soit actif. Et que ça puisse se manifester à nouveau. Et nous ne pouvons qu'entendre ta voix. Donne plus et mieux. Aide avec la retransmission. Que nous pouvons mettre en simple parole, nous te demandons ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ. Comme vous savez, notre apôtre patriarche devrait être ici. Et je suis désolé. Il n'a pas pu venir, comme vous le savez fort bien.
Mais cependant, accepte ces salutations. Hier soir, il nous a souhaité une journée pleine de joie, une bonne fête de dimanche. Il a terminé pour dire « Aujourd'hui, mon cœur est à Kinshasa. » Recevez une parole qui nous a donnée aussi, extraite de parole, de psaume, 73e psaume, les versets 23-24. Bongo maloba kitoko pe ba pesibiso ezali na mukanda ya banzembo mokapo tukusambona misato vele ya kotanga tukumisato kino tukuminei. Cependant je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire. Zokande nazali tango nyoso pene pene na yo. Yo osimbi loboko na ngai ya mobali. Ozali kotambwisa ngai na ndenge yo olingi sima okoyamba ngai na lokumu. Jusqu'à la première place. Tozo biskato va korel. Merci beaucoup. Matondo mingi. Mes bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons cordial bienvenue dans la maison de Dieu. Que vous êtes ici présent ou bien relié en transmission, le Seigneur nous donne à nouveau une occasion pour être ensemble. Pour être fortifié, pour être consolé, et pour recevoir à nouveau une instruction qui nous permet d'avancer quelques pas sur le chemin. Merci pour le cantique parce que ça va très bien avec le texte que vous ne saviez pas lors de la préparation. Mais c'est encore un petit clin d'œil de notre Père Céleste.
À travers son esprit. Nous savons, notre apôtre patriarche devrait être là, j'ai pitié pour les frères qui devraient être à la fois à la retraite ou ordonnés. C'est moi qui dois le faire à sa place. Mais inutile de dire, on a beaucoup communiqué pendant cette semaine. Et il a exprimé une sincère tristesse, voire même un regret de ne pas être là. Nous savons qu'il y a une place spéciale de ce pays dans son cœur. Mais là, il a dit, je souffre pour ne pas venir. Et je sentais un peu triste aussi, bien sûr. Mais il a dit, quand je regarde autour de moi et toute la tristesse que nous vivons, que vivent les enfants de Dieu à travers le monde entier, ma petite tristesse n'est rien comparée à tout ça. Ça ne fait que augmenter un désir d'être ensemble dans l'avenir. Et malgré cette distance, de chercher cette connexion, à nouveau à travers l'esprit, cette situation de maladie perdure beaucoup plus longue que personne n'aurait prévu. Voilà, on est réduit à un tiers ici. On doit toujours porter des masques, on se lave, l'assistance est réduite, certains ne peuvent même pas venir. Et ce n'est que normal qu'à la longue on se poserait mille et une questions. Est-ce que notre Père Céleste ne voit pas ça? Et on devient fatigué. Et naturellement, on relâche un tout petit peu, on se permet de faire des choses que nous savons, ce n'est pas recommandé. Continuons, chers frères et sœurs. Que, bien sûr, on peut être fatigué. Notre Père Céleste est là. Mais il voit tout. Nous ne pouvons pas relâcher notre obéissance. Car nous savons que celui qui est obéissant reçoit une bénédiction. Nous respectons le gouvernement et ce qu'ils disent, tant que ça ne va pas à l'encontre des préceptes de Dieu. Nous continuons. Soit directement ou indirectement, nous vivrons une bénédiction. Et il nous donne ce texte pour aujourd'hui. C'est une consolation. Au fait, il s'agit d'un psaumiste qui s'appelle Asaph, qui avait une vie qui était bien, mais soudainement, ça n'allait pas. Il commençait à souffrir, à avoir des difficultés. Il ne comprenait pas de tout. Et puis il regardait autour de lui et voyait ce qu'il appelle des méchants. En quelque sorte, ceux qui ne respectent pas peut-être les principes de Dieu ou ceux qui ne croient pas en Dieu. Et il voit comment ils prospèrent, comment ils réussissent. Et au début, il se dit surpris, mais confus aussi. Il peut être confus. Mais à certain moment, comme une colère qui se manifeste. Et une incompréhension totale. Ce qui a un impact sur, bien sûr, la foi. Qui se remet tout en cause.
Et on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu est là? Il écoute, il voit. Est-ce qu'il existe même? Parce que si vous lisez le verset avant notre texte, il parle, j'étais comme un animal. En quelque sorte, c'est pour dire, c'est comme celui qui ne croit pas. Mais il a dit, je doutais, j'ai glissé dans le doute. Mais il ne s'est pas resté là. Il n'est pas resté à la maison ou dans sa situation. Il est allé dans la maison de Dieu. Et je ne sais pas comment, mais c'est là où il a vécu comment Dieu se révèle. Et à travers ce mouvement, ces moments, il a senti, oui, qui est Dieu et quelle est sa personnalité, quelle est sa nature. La véritable nature de Dieu pour dire non, il est juste. Et en étant juste, c'est vrai qu'il punit le méchant et il bénit celui qui est obéissant, qui croit. Ça c'est numéro un, il a fait ce constat, Dieu est juste. Mais en deuxième lieu, et c'est ça notre texte biblique, Dieu est amour. Et il ne nous abandonne jamais. Souvent on lit ce texte et on interprète de différentes façons. En particulier, si on voit le verset 23. Cependant, je suis toujours avec vous. Avec toi. Nous pensons que c'est la parole du psaumiste qui dit, malgré tout, je fais l'effort, je t'accompagne. Malgré tout, je force, je reste tout près de toi. Mais on a étudié les anciens écrits. Et on a vu, ça c'est la parole de Dieu. C'est lui qui dit, malgré tout, cependant, je suis toujours avec toi. Et ça change tout. Ce petit cependant, et malgré tout, malgré nos imperfections, malgré parfois notre incompréhension, notre colère, malgré notre doute, malgré notre faiblesse, il est toujours là. Et il nous soutient avec sa main droite. Frère, c'est quelle consolation. C'est un peu comme l'histoire de Job. C'est un peu pareil, c'était un peu avant ou bien avant. À ce moment, il n'y avait pas de temple. Mais vous connaissez l'histoire, l'homme était, il a réussi dans la vie. C'était pas un pauvre, il avait des biens, une famille. Tout perdu. Sa femme, ses enfants, ses biens. Et à nouveau, il se posait beaucoup, beaucoup de questions. Il demandait à Dieu. Il parlait avec ses amis. Et avec ses amis, ils ont essayé de trouver pourquoi, le pourquoi. Il y avait des autres qui avaient des suggestions. Ah, c'est parce que tu as été fautif et Dieu veut te punir. Mais Job recevait cette idée, il a dit, mais et je suis plus méchant que toi, pourquoi il me punit et pas toi? Et l'autre commence à dire, non, mais c'est pour te purifier à travers les tribulations. Et Job commence à réfléchir, mais attends, pourquoi il veut me purifier et pas toi?
Pourquoi je suis touché? Et si vous lisez, il exprime sa colère envers Dieu. Mais ce qui est dit, ce que nous voyons, il n'a jamais cessé de parler avec Dieu. Il ne pouvait pas aller au temple, ça n'existait pas à cette époque, mais il n'arrêtait pas à parler avec Dieu. Et il vide son cœur, il parle comment il est déçu, fâché. Il ne comprend rien. Il exige une explication. Mais il continue à parler, continue à parler. Et pour lui, à un certain moment, Dieu se révèle. Dieu se révèle et apparaît devant lui. Il ne donne pas des explications. Il n'explique pas pourquoi il a souffert, pourquoi c'est arrivé. Dans le verset 41, tout juste, chapitre 41, tout juste avant chapitre 42, c'est là où il commence à montrer combien il est puissant. Et combien il est constant. Il montre sa gloire, il montre sa création, Dieu le fait. Il ne donne pas de réponse, mais il montre combien il a la gloire. Il a toute puissance de sa main. Et devant cela, Job, il vit un changement. Et il dit que j'étais bête. Et maintenant, je vois combien tu es grand. Il ne demande plus des explications. Mais il remet sa confiance en Dieu. Il continue à persévérer. Et il vit la bénédiction. Nous connaissons la suite de l'histoire. Dieu ne l'abandonne pas. Bon, ces deux histoires dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, comment ça s'applique? On a des souffrances. Beaucoup de souffrance. Et dans la même chose, on ne comprend rien. Mais j'ai prié, je suis fidèle. Je sers le Seigneur. Je donne mon offrande. Et voilà ce qui m'arrive. Mais voilà ce que Dieu permet. Dieu me punit, Dieu me frappe. Et nous avons ces questions. Surtout le grand pourquoi. Où nous regardons autour de nous et nous voyons les méchants. Ceux qui, selon nous, moins croyants ou que ne respectent pas les préceptes de Dieu. Et on voit comment ils réussissent. Pourquoi? Ils ont des succès, ils ont des choses. Et moi qui suis fidèle, maintenant, moi je suis frappé. Encore la question, pourquoi cela arrive? Ça te frappe, ça me frappe. Parfois nous sommes en mission, des mal arrivés, on se dit, mais nous sommes des serviteurs, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Ou dans l'œuvre de Dieu, nous vivons des imperfections. Peut-être d'un serviteur, d'un membre, on est étonné, on est offusqué. Ça c'est l'œuvre de Dieu. À travers lui, à travers
ce chemin, je dois trouver un salut. Mais Zali nanzela na ye nanzela oyo dena kozalobiko. Et la grande question, le pourquoi. Motuna ya monene zozonga lisusu. Ça entre dans ton cœur, ça entre dans mon cœur. Et kotina motema na ye kotipe na motema na. Ou bien nous disons, on vient à l'église. Mais tozoya na ndako nzambe. Malgré nos problèmes. Atako mikakata na. Mais on ne parle que des choses spirituelles, bénédictions spirituelles. Le Seigneur va venir, c'est dans l'avenir. Mais je souffre maintenant. Mais le lo yonga na zonyo. J'ai besoin de quelque chose de concret. Nazana posa ya mayo ekoko simba mana maboko. Et on regarde autour, ah, il y a cette promesse, un miracle. Ah, l'autre il dit qu'il peut arranger ma situation. Otali nzinga nzinga na yo lobi tala bilaka tala bilaka tala makamu si l'église ya songolo ekoko bongo na makamu. Écoute, donnez un peu d'offrande, soutenez-nous. Et puis Jésus va répondre à tes besoins naturels maintenant et aujourd'hui. On peut être tenté, on peut y aller même. Non, seulement on glisse dans la lutte, on est enfant de Dieu. Mais ça ne ferait rien et si j'y vais mercredi, si j'y m'attache à travers la télévision quand même. À ses pensées. Alors, conduite à tenir, comme dit le médecin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nini tokokosala. Comme notre cher Job, continuons à parler. Lokola yobo asalaki koba koloba. N'arrêtez pas. Kolembate. Cherchez cette connexion. Luka bokanga mioyo. Cherchez à vider ton cœur. Luka te yobi misa nyoso na motema na yo. Parle. Loba. Il n'y a pas de mauvaise prière. Nanzela lo sambo. Et vous pouvez être fâché. Vous pouvez dire, je ne comprends pas. Okoki kosili koko koza lozo susu na makambute. Dis-lui, tu es déçu, ça ne va pas dans ta prière. N'arrête pas à parler à notre Père Céleste. Et puis par grâce ou par effort, nous avons aussi une adaptation un peu de notre prière. N'exigeons pas la réponse à la question pourquoi. Pour j'ai droit à une solution ou qu'il règle cela, qu'il doit trouver la réponse. Notre prière s'adapte pour dire, Seigneur, je veux sentir ta présence. Je veux te sentir à côté de moi. Je veux te sentir ta main droite. Humblement tout petit. Et puis il faut attendre. Il faut avoir la patience. Parce que l'Esprit nous répond. Un peu comme Élie a fait l'épreuve, ce ne serait pas parfois spectaculaire par le feu, tremblement de terre, changement radical de nos situations. Mais par le doux murmure. Une parole peut-être que nous écoutons lors du service divin. Une parole prononcée par le serviteur lors de la cure d'âme. Une rencontre fortuite avec un enfant de Dieu, même un tout petit enfant, à travers une petite parole, tu sens. Ou bien dans ton cœur. Tu as le don de Saint-Esprit, je l'ai. Saint-Esprit se manifeste par un doux murmure, parfois un clin d'œil, un petit signe. Ou un grand signe. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Nous sommes ensemble. Courage, continuez. Consolation. Et la paix rétablie dans notre cœur. Où nous pouvons faire un peu comme le prophète, enfin le psaumiste Asaph. Nous quittons là où nous sommes.
Il est allé au temple, je sais, au temps de Covid, on ne pouvait pas aller. Mais notre apôtre patriarche a parlé figurativement qu'on sort de chez nous. Parce qu'il y a des moments où on reste focalisé sur notre propre problème, notre petit monde, nos difficultés. Sortons de chez nous pour aller. Regardez les autres. Regardez les autres. Regardons autour de nous. Et nous allons voir que tu n'es pas le seul qui souffre. Que c'est ce Dieu qui laisse le soleil et même la pluie tomber sur les bons et les injustes. Et les yeux sont un peu ouverts et on sort de cette, on peut dire, auto-sensibilité. L'apôtre Pierre a dit aux enfants de Dieu, en 1 Pierre 5e chapitre, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Pas seulement toi, mais c'est imposé. Même les afflictions sont imposées dans nos frères dans le monde. Nous sortons de chez lui, de chez nous, pour aller chez lui, pour aller chez le voisin pour regarder. Et nous laissons un peu le temps. Dans la patience, l'esprit nous réveille, nous montre, nous parle. À nouveau par le service divin. Par un frère, par une sœur. Ou dans notre fort intérieur. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, ah, je vois. Je te vois. Ce que tu vois autour de toi. Je t'aime. Mais ce n'est pas une punition. Ce n'est pas à cause de ta conduite. Non, c'est à cause de méchants qui est encore prince de ce monde. Et il se promène. Et il a, on peut dire, un tricot comme les footballeurs. Hein. Ce n'est pas marqué TP Mazembe. C'est marqué injustice. Et nous vivons ça, nous rencontrons de ces joueurs injustice. Et c'est pas Dieu, il est prince de ce monde. Et c'est une consolation. Et derrière, sur le tricot, est marqué son nom. Songi Songi. Bakomi Songi Songi. La confusion, colportage, le désordre, Zalikotiamobulu, sur le dos parce que tu ne vois qu'après qu'il est passé, peut-être. Et nous vivons le désordre, nous voyons ça. Dans notre vie quotidienne, parfois même dans ce que nous faisons. Et notre Père Céleste nous dit, non, ce n'est pas toi, c'est lui. Et cette question, mais pourquoi, hein, ton amour est là, mais je souffre. Et cet esprit dit, non, cette souffrance n'est pas reliée à l'amour de Dieu. Prenez l'exemple du Fils de Dieu. Il a témoigné publiquement, voilà mon Fils bien-aimé. Voilà mon fils en qui je prends plaisir. Et regarde sa souffrance. Non, l'amour de Dieu n'est pas représenté par le manque. Il nous épargne de souffrance. L'amour de Dieu se manifeste à travers sa présence.
Bolingo ya Nzambe ezomona na polele na nzela ya bozalani na ye. Il m'aide à traverser ces problèmes. Azo sunga yo sungi pe ngai po te tokatisa mikakatano. Comme il a aidé son fils à traverser la croix. Azunga ki pe mwana na ye po te akatisa mikakatano na ye. Son amour se traduit par cela. Bolingo na ye zola kisa mapolele na makambo. C'est cette petite voix qui nous dit par son esprit. Mongongo muke ezolo ba na nzela molimo na ye. Que Jésus-Christ est venu pour rectifier le fond de problème. Jésus-Christ a yaki po te bongo la bozindo ya makambo. Il t'a choisi. Aponiyo, tu es cher. Ozali ya bolingo. Je t'aime beaucoup. Na lingio mingi. Et je vais faire en sorte que tu puisses atteindre le but. Na kosali sa pwete okomati na litomba. Et cela nous donne un nouveau courage. Yango ane ko pesa lisusu bokasi ya sika. À nouveau, si on continue à parler avec lui. Et peso pesa biso bokasi ya kokoba kosolola na ye. Cet esprit nous rappelle. Molimo wane zokanisa biso. Christ nous a prévu tout ça. Il a dit dans ce monde, tu vas avoir des problèmes. Peut-être ça peut arriver. Non, il a dit dans ce monde, tu vas avoir des problèmes. Alors là, nous avons une consolation en quelque sorte. Christ nous a prédit ça. Il a prévu ça. Mais il est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Nous cherchons cette connexion. C'est un peu comme un couple ensemble. Plus qu'on parle, plus qu'on cherche à être ensemble, plus qu'on se connaît. Et tu peux avoir un moment où on se connaît très bien. Mais quand cette communication s'estompe, s'arrête un peu. Et à cet moment, on ne reconnaît plus la personne. Il y a des gens qui sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. On ne parle pas. Dans l'entretemps, la personne a changé. Où nous avons changé. Et c'est comme un étranger. Notre Dieu ne change pas. Mais nous changeons parfois. Et si on n'a pas cette communication, on ne cherche pas à entrer dans la maison. Ça devient étrange. Hein? Ah, et on peut dire rien ne nous sépare. Paul, il a dit, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Il ne parle ni l'auteur ni la profondeur. Romains 8, on peut le lire vers la fin. Ici, toutes les différentes choses, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Je peux dire aussi, même ma doute, même ma faiblesse, même si parfois je suis comme cette bête-là, que je perds la confiance et je perds la croyance. Et je deviens faible. Même ça ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ça nous accompagne sur le chemin. C'est marqué aussi que je vous conduis, je vous donne les conseils. Par ton conseil, c'est marqué. Et c'est ça, il n'exige pas. Il donne les conseils. C'est pas comme si tu vas être puni si tu ne le fais pas. Mais il dit, tu vas être béni si tu le fais. Mais à l'obi, mais on ne va pas trembler. Mais il y a de ces conseils que nous faisons. Nous recevons, nous voulons le suivre. Et quel est le conseil? Notre apôtre patriarche l'a dit. C'est comme un conseil, on peut dire, de vieux. Hein? Respectez les commandements de Dieu. Ça va t'épargner de beaucoup de douleurs inutiles, beaucoup de souffrances inutiles. Ce n'est pas seulement le conseil d'un vieux. Je pense que tout le monde, c'est pour... Chers jeunes,
respectons les commandements. Ça nous épargne de beaucoup de souffrances inutiles. Beaucoup de conséquences inutiles. Et ça va un peu plus loin. Ne fais pas le mal pour le mal. Nous voulons respecter ces commandements. Et quand nous ne le faisons pas, c'est comme si nous allons à l'autre équipe. Donnez-moi ton tricot. Et nous faisons du mal pour notre voisin, notre proche, et même notre frère et sœur. Ne prenons pas le tricot là. De désordre. Ou d'injustice. Parce que c'est comme si nous faisons le mal en retour de mal. Et ça fait un cercle vicieux. Et ça ne fait que jouer pour l'autre équipe et marquer les buts pour l'autre équipe. Frères et sœurs, nous avons cette assurance. Même si nous sommes faibles. Même si nous sommes dans le doute. L'amour de Dieu est toujours avec toi et avec moi. Même nous avons tous ces questions. Dans le calme. Quittons notre maison, notre personne. Cherchons cette connexion avec Dieu. Attendez, patience. L'Esprit nous trouve une réponse qui n'est pas toutefois l'explication qu'on demandait au début, mais qui nous sert entièrement pour poursuivre avec l'aide de Dieu. Dieu aime les faibles. Amen. Amen. Comme vous savez, il y a des actes prévus. Et nous avons des frères qui vont passer à la retraite. Vous comprenez, je ne peux pas les appeler tous. Et parfois, je dis, j'ai peur d'appeler un frère qui va aller à la retraite parce qu'il risque de parler tout ce qu'il n'a pas dit pendant longtemps, il va le dire. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Peut-être comme représentant de ceux qui vont passer à la retraite. Apôtre Mayele peut venir servir. Et le choral peut chanter pour préparer le chemin.
Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ. Balingami mibali pe basi katina Christo. Je suis particulièrement heureux de vivre ce moment. Nazali penza na sengo ya kobika eleko oyo. Parce que au pied de cet autel de grâce, poete ose a mesa ya bonzenga oyo, nous vivons la présence de notre Père céleste. Nous ressentons l'amour de notre apôtre patriarche à travers notre apôtre d'Élysée. Sur cet autel est placé beaucoup de choses. Nous venons de le recevoir à travers cette belle parole. Je ne peux retracher cette parole. Sauf que je peux retenir quatre choses. Dans les quatre phrases qui sont mentionnées. Cependant, je suis avec toi. Cependant, je suis avec toi. Et la deuxième, tu m'as saisi par ta main droite. Et il va nous conduire par ses conseils. Et à la fin, il nous recevra dans sa gloire. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Le premier mot, il touche fortement mon cœur. C'est ce premier mot qui exprime l'amour de notre Père Céleste. Il dit cependant, malgré tes fautes, malgré tes agissements, malgré tous les bienfaits, malgré et malgré, Atako, atako. Mais je suis avec toi. Kasi nazali na yo. Quel amour. Oyo bolingo nini. Quelle démonstration. Olo lenge nini yako lakisa bolingo. Et il continue. Pe azali kokoba. Je te saisirai par ma main droite. Nako simba yo na loboko na ngai ya mobali. Chers frères et sœurs, tendons notre main au Père Céleste. Qu'il nous saisisse. La main, c'est une des choses qui touche mon cœur. Quand je pense à la main, je pense à tout le travail que la main fait. Si nous voulons peigner les cheveux, tresser nos cheveux, nous laver, nous nettoyer, nous nourrir, nous apporter secours, et tendre la main pour donner. Cette main qui fait beaucoup de choses. Et pensons à la main de Dieu. Qui fait et qui fait malgré tout. Quand j'étais encore tout petit, ma mère avait déposé un bassin d'arachide. Et je demandais à maman de me donner un peu d'arachide. Et elle m'a permis de prendre. Et j'ai refusé de prendre. Mais pourquoi tu ne prends pas? J'ai répondu simplement. Ma main est trop petite. Je veux que ta grande main me donne. Et j'en aurai plus que ce que je prendrai de moi-même. Regardez la main de Dieu comme elle est. Elle donne grandement. Elle donne sans cesse. C'est pourquoi il y a cependant au début de cette parole. Non seulement cette main nous donne,
Mais c'est celle-là qui nous saisit et qui nous conduit. Et cette main qui nous conduit, elle ne reste pas muette. Cette main parle des conseils. C'est ce que nous recevons à tout moment auprès de notre Père Céleste. Au travers de ses serviteurs. Au travers de vous, frères et sœurs. Dans l'inspiration de son esprit. Cela pour simple objet. Pour atterrir à la gloire de notre Père Céleste. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de conseils nous ont été donnés en ce lieu. À travers son humble serviteur. Sortir de chez nous. Et aller vers le Père Céleste. Et nous trouverons bien des causes. Amen. Amen. Sa main nous prend. En période Covid, maintenant, on ne peut pas prendre les mains les uns les autres. Il nous a interdit. Cependant, pendant cette période que nous sentons la main de Dieu, ne nous abandonne pas. Lui, il ne doit pas respecter ses règles. On a encore quelques moments. Apôtre Soukadi peut servir, préparer le chemin. Notre Père Céleste est amour. Tatana biso likolo azali bolingo. Il nous tient à la main. Ya simba biso na loboko. Il nous conseille et il nous guide. Ya azali kopesa biso toli pe azali kokamba biso. C'est le même amour que nous avons expérimenté hier auprès de notre apôtre patriarche. Ezali bolingo yango se moko tobikaki lobi pene ntoma na biso mokonzi. Il y avait concert chant hier en ce lieu.
Avant la présentation, nous avons suivi l'adresse de notre apôtre patriarche. Allez voir physiquement, nous avons vu comment il souffre pour être absent en ce lieu. Mais dans le contenu de son message, nous avons compris qu'il nous aime et il est avec nous. Il nous a dit qu'il a modifié plusieurs fois son programme. Et le tout dernier, c'est celui le programme de la RDC. Il mourait d'envie d'être avec nous aujourd'hui. Mais les lois de leur pays ont fait qu'ils ne puissent pas se déplacer à cause de la pandémie de COVID. Bien qu'absent physiquement, spirituellement, il est avec nous. Parce qu'il a dit, nous ne pouvons pas freiner le développement de l'œuvre. C'est comme ça qu'il a autorisé à notre apôtre des districts de tenir ses services en ce lieu et avec son mandat. Pour que nous puissions recevoir la même nourriture que nous devions recevoir si lui-même était avec nous. Et vous comme moi, nous l'avons expérimenté à travers la prédication de notre apôtre de district. Dans tout ce que notre apôtre de district a prêché sur cet autel de grâce, je pensais au service de Pentecôte que nous venions de suivre quelques mois passés. L'Esprit Saint nous a révélé beaucoup de choses. Entre autres, le plan de construction d'une maison. On nous a dit, quand vous voyez le plan de construction d'une maison, c'est quelquefois bizarre, les gens ne peuvent pas comprendre à quoi cela se ressemble. Il en est de même avec l'œuvre de Dieu. Si vous voyez avec l'œil humain, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se fait maintenant, qu'est-ce qui se fait hier et qu'est-ce qui va se faire demain. Mais Dieu merci par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu lors de notre Saint-Célé. Nous pouvons comprendre à peu près quel est le plan de Dieu, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça sera à la fin. Les ingénieurs, les architectes, les maçons, ils arrivent à comprendre une partie de leur travail. Mais le maître d'œuvre, c'est celui qui connaît la totalité et comment ça va s'achever. Le royaume des cieux, là nous serons éternellement avec notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre à 100%, ça se ressemble à quoi? Mais ce jour-là, quand Dieu sera tout en tout, tout sera clair. Nous n'allons plus poser toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui par rapport à cette vie terrestre. Je passe presque chaque jour devant le palais du peuple en face. Vous trouvez un ami de maquette. Et puis c'est beau, c'est admirable, on montre ce que l'infrastructure qu'on est en train de construire là-bas sera dans les années à venir. Et tous nous admirons, nous mourons de faim, nous voulons voir ça se réaliser même après un jour.
Or qu'il faut prendre conscience et patience. Parce que notre Père Céleste va accomplir les choses telles qu'il a planifiées. Tout ce que nous vivons sur cette terre est passager. Attachons-nous à ce qui est éternel. Et restons sous l'évangile pur prêché par l'apostolat. Amen. Amen. Nous remercions ces serviteurs. L'image finale, c'est Christ. C'est à lui que nous voulons nous ressembler. Ah, maintenant, tout le plan pour y arriver, c'est compliqué. Mais on n'a pas tous besoin d'être grand architecte pour travailler sur le chantier. Même un enfant, on peut prendre un plombier ou quoi, il ne connaît pas l'architecture, il ne sait pas lire le plan, mais on dit, fais ceci, fais cela. Il contribue à la construction, il fait quelque chose. Et ça avance. Nous ne sommes pas des spécialistes, je ne suis pas spécialiste pour connaître les détails du plan. Je sais Christ, je veux atteindre cette image et je me connais. Mais Dieu nous dit, fais ceci, fais cela, nous suivons. Et nous dit, repentir. Maintenant, il y a des différentes raisons pour repentir. On a dit dimanche passé, c'est comme l'enfant qui a fait du mal répand devant sa maman. Parce qu'il a peur que maman va donner une fessée. Donc il répand, je m'excuse. C'est un repentir, mais bon, c'est motivé par la peur. Les autres peuvent se repentir à cause de la honte. Soit ils ont été attrapés ou ils seront attrapés, alors par honte, ils disent, vraiment, pardon, j'ai pas voulu le faire. Donc, mais c'est la honte qui les pousse à se repentir. C'est pas se repentir que Dieu veut. Mais lorsque peut-être on a fait une erreur, et nous savons que notre erreur ou notre péché, ou notre faute, nous sépare de Dieu. En quelque sorte, nous coupe l'accès pour arriver. Et à cause de ma, pardon, bêtise, mon erreur, je m'éloigne de Dieu plutôt que je veux, c'est pas le plan, je veux m'approcher. Et je déçois mon Dieu, et je déçois mon plan, moi-même, parce que c'est contre l'objectif. On exprime ce regret. Ça, ça vient de cœur. C'est ce que Joseph en quelque sorte disait. Je ne peux pas mettre ce tricot. Je ne peux pas le porter. Je suis dans l'autre équipe. Je ne peux pas m'éloigner, je veux m'approcher. Certainement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai parfois fait des erreurs au cours de cette semaine. Et je sais que davantage à cause de ça,
le but devient un peu plus long que ça doit être plus court. Na ye biete likolo ya bobe oyo litombe zokende mosika penza zokande sengele za la pene pene. Je cherche à rétablir le contact, je cherche à m'approcher. Na zana posana zongi saboyo kani pena pusana. Avec un tel désir, Dieu va permettre aussi. Et nan posa lolenge boye. Zamba zope sanzela. Ça va, pas de problème. Pe wana kolobete likambo ezalite. Un regret, un repentir valable. Basi wana na motema pe ko bongo na motema wana ikoki kondima meteza ya solo. Et là nous pouvons entrer souper ensemble sans honte. Pe wana tokoki ko yingela soni ezalite kolia elongo. Davantage nous voulons préparer notre cœur avec un cantique de repentance. Nde yango wana tokobongisa pe mitema na biso na loyembo ekopesa mapona ko bongo la motema. J'invite la communauté à être debout ensemble. Nous voulons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. 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 Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Oh, combo en colonne à Bissou sous Christ, au moins un zambé à bon mot, ma soumou ma bino, ma limbissami. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Et Kimia et mon secoui, et Zalana bino banso. Amen. Merci, cher Père Céleste, pour ce pardon. Ma tondo, tate à l'icolo, pour n'abolimissi, oyo. C'est ainsi, tu nous laves de tout. À nouveau, nous sommes propres, présentables devant la fiancée de notre âme. Tu nous ajoutes ta paix. Et cher Père Céleste, comme ça, les accusateurs doivent fuir. Et avec cette paix, nous pouvons marcher et continuer ensemble. Quelle consolation, ce pardon et cette paix. Et nous t'en sommes reconnaissants. Pour le grand amour que tu démontres envers les uns et les autres. Mais pour tout ce que tu fais, même l'aide que tu nous as donnée aux jeunes pour les épreuves. Il y a ceux qui continuent les examens, soit avec eux et nous tous. Mais soit avec nos enfants, notre jeunesse, afin qu'ils aient de plus en plus de racines profondes dans ton œuvre. Ils reçoivent la base de foi.
qu'il fasse les expériences de foi qui les consolide à toi. Et les rocs de notre foi. Sois avec les vieux, les serviteurs, les servantes. Cher Père Céleste, sois avec ceux qui à nouveau sont endeuillés. Donne ta paix et la force. Nous voulons aussi prier pour ce pays. Pour la ville ici, pour les autorités et les responsables, accorde ta sagesse et ta présence à côté d'eux, qui fassent des bonnes décisions et que nous puissions aussi contribuer tous à la paix. Protège tes enfants, protège le peuple. C'est un souhait, nous t'exprimons cela. Au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, nous voulons fêter la Sainte Cène. Sika tokosangana mole mo sante. Et à présent, la table du Seigneur est prête. Sika, Mesa et Ankolo et Bongisami. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre maintenant le pain et le vin pour la Sainte Cène et j'y dépose le sacrifice unique, valable pour toute éternité, de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur a pris de pain, pris de vin, rendu grâce, il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, sang de la nouvelle alliance, répandu pour beaucoup, pour le pardon de vos péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. La communauté peut s'asseoir. Tous à biscato vanda. Lisangamo bimbato kwemba loyembo ngonga kitoko epambolami. Et maintenant le Seigneur nous invite tous à venir prendre part à la Sainte Cène. Si kankolo abengi biso banso tu akosangana na molemo santo.
Merci beaucoup. Nous ne voulons pas passer sans fêter ensemble avec nos bien-aimés dans l'au-delà à Saint-Saëns. Peut-être qu'il y a ceux qui nous suivent, ils voient en cela quelque chose un peu bizarre. Distribuer la Sainte-Seine en faveur des défunts. Comment vous pouvez faire, c'est un peu mystique. Bon, ce n'est pas l'invention de l'Église néapostolique. Cela était déjà pratiqué dans la première église apostolique. D'ailleurs, Paul il en parle en 1 Corinthiens, 15e chapitre, verset 29. Dieu est le Dieu de vivants et de morts. Et il fait en sorte que tous ceux qui ont soif puissent venir. Et nos bien-aimés. Et beaucoup que nous ne connaissons pas. Mais Dieu a donné accès. Oh, hier, lors de la réunion des apôtres, on nous a informé, notre cher évêque, Minengo est passé dans l'au-delà. Nous avons tous prié, y inclus l'apôtre patriarche. Mais nombreux sont ceux qui sont passés dans l'au-delà. Même en cette semaine, il y avait un apôtre en Afrique du Sud. Un apôtre du district retraité. En Amérique du Sud. De nombreux autres sœurs, des frères, vous les connaissez, nous les connaissons. Et à nouveau, ça fait mal et nous pleurons. Et on a de ces questions, pourquoi et pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Cependant, je suis toujours avec vous. Parole pour les vivants et pour les morts. Nous avons la joie de pouvoir célébrer cela ensemble. Et là, nous procurons force. Les deux serviteurs vont prendre la Sainte-Seine. Apôtre Kalala, apôtre Wamba. Une courte strophe pour préparer le chemin. Nous inventons nos bien-aimés. Ceux que nous connaissons bien, ceux que nous ne connaissons pas. Ceux pour qui nous avons prié. Ceux pour qui personne ne prie. Le Seigneur vous permet. Vous connaissez et vous permet de venir ici. Recevez ce que nous plaçons dans le cœur et dans le Boyamba otozocha na motema pena loboko abasali obabale pona bino.
Wete pona bino pe pesa minzoto pe makila ya nkolo na biso Yesu Kristo pona bokasi. Et sengo na bino ya libela. Pe bomo na bino ya seko na tata na biso likolo. Na kati ya bomoko ya bayenge beni. Amen. Matondo mingi. Prenez place et on peut fermer les calices. Bozabisika bakangasani ya molemo santu. Et bien aimé, il est prévu, bien sûr, pendant ce service divin, on l'avait d'ailleurs annoncé à l'avance. Que l'apôtre Patriarche place 6 frères à la retraite. Et bien sûr, 6 apôtres nouveaux doivent être ordonnés. J'ai un peu pitié de vous, désolé. Mais comme il a dit, son cœur est à Kinshasa et il nous a mandaté de faire cela et nous procédons. Pour la retraite, il s'agit des apôtres Kandamana, Louis Kabangu, de Kinwest. Apôtre Kubanza Ferdinand Bandé de Kisunzu. Apôtre Maker Mayele de Kwilu. Tozalina Toma Nabiso Mayele Maker ya Kwilu. Apôtre Gaston Yene Mukoko de Bateke. Tozalina Toma Nabiso Mukoko Yene ya Plateau. Apôtre Ndai Tumba de Kinshasa Sud-Est. Tozalina Toma Nabiso Tumba Ndaya ya Kun Sud-Est. Et Apôtre Michel Sakala Tati de Bafle. Et Tozalina Tomanabiso Tati Sakala Yabakongo. Venez devant, s'il vous plaît. O Poussana Liboso Balinga. Oui. Non, restez en bas, là, ce serait mieux devant. Chers frères, je suis un peu à la fois triste parce que cela a fait un grand changement. Et ceux avec qui on a travaillé pendant des fois de nombreuses années. Et alors maintenant, il y a un changement d'équipe. Vous, les heureux, on peut dire en quelque sorte, passent à la retraite. Nous continuons à
œuvrer. Et ce changement produit un peu de d'inquiétude et aussi un peu de regret. Mbongwana oyo ko kopesa moi mitungisi kasi makanisi pe lisusu. Et l'homme en général n'aime pas le changement. Moto na bonene na nyoso alingaka penza mbongwana te. Mais le moment est venu et nous suivons aussi qu'on devrait aller à la retraite. Eh, si kangonge koki yangwana tozolanda esengeli bokende na bopeni. Vous avez œuvré beaucoup en amour. Bosali mingi koleka na bolingo penza. Je peux le dire en amour. Parce que je sais. Na koki koloba yango na bolingo pote ngai na yebi. Personne ne peut être actif et œuvrer de cette façon sans l'amour. Moto koki kozala na bokati na mosala te pe kosala lolenge obino bosali soki bolingo ezate. Il va se fatiguer, il va démissionner, il va se décourager. Na sima mongonga nokita kwa kolemba akwa kotika makambo ango pe akotikela masuku. Vous avez persévéré. Mais bino kozala ki motema mulai bokoma. C'est pas combien de prières, combien de services divins. Évitez balosambo boni, balosambo ya kosala pe akobondela. Combien de kilomètres si vous connaissez tant mieux. Motango boni anzela botambola ki. Je pense que vous ne connaissez pas notre Père Céleste, c'est ça qui est important. Mais d'ailleurs, il était bien au bout et bien côté, mais Zambé t'a tant habitué à l'écolonde à Yébi. Personne ne peut faire tant d'amour, tant de travail sans amour. Mais motomo kota ko kosala mosala monene boso ki bolingo ezate. Et vous avez œuvré avec beaucoup d'amour. Mais mosala ki na bolingo mingi penza. Et pour cela, nous n'avons pas peur. Detina biso tozo bangate. Tout ce qu'on fait en amour vers notre Père Céleste, en amour vers son œuvre ou les siens. On a nyonso to salaka na bolingo nyonso pona nzambe tata bolingo pona baoya ye bolingo pona mosala na ye. Sa bénédiction reste là-dessus. Ma pamboli na etika la kalikolo na yango. Et il vous accompagne. Pe ya kotambola na bino. Et cette bénédiction n'est pas limitée à votre propre personne. Bénédiction est fotele makaka na bomoto na bino te. Mais c'est à l'œuvre qui est restée, qui continue. Et kokoba na mosolo etika li pe zokoba. Et cette bénédiction aussi pour votre famille. Et les pamboli wana pona libota na bino. Et ceux qui se sont donnés. Oye bami pesa ki. Pour partager un peu de papa ou de mon mari avec notre Père Céleste et les enfants de Dieu. Libota oba sepele kokabola moboti na bango mobali. Tope papa na bango, tope mobali na bango et longo na lisanga bana nzambe pe communauté. C'est pour cela une partie de cette bénédiction est pour eux. De yangwane tieni ndambo ya lipamboli eza pe pona bango. Cela aussi nous aide pour l'avenir pour cette nouvelle étape. Yango pezo sunga biso pona lobi ekoya pona eteni ezwa liboso. Je sais que nous n'avons pas été parfaits. Vous avez parfois des fautes, je ne sais pas. N'ayez-vous été piso et solte aux alakis se botte. Piso, pino pétanque sous vos alakis bambéba, n'ayez-vous été. N'ayez pas peur. Vos bangate. Tout par le Seigneur est pardonné. N'yoso, n'ayez-vous été en colo et l'imbissami. Parce que parfois il y a des pensées, j'aurais dû faire ceci, j'ai fait cela. Ça retourne dans la tête, ça empêche peut-être à réjouir dans la retraite. Tango mususu makanisi ya kesengela kina sala boye na kokaki kosala boye zozonga tango nyoso na tango nyoso esengo pe kimi ezozanga na tango akopeli. Seigneur vous accorde sa paix. Nzambe alikolo apesa bino kimia na ye. Tout est pardonné. Nyoso elimbisa bino. Vous avez œuvré en amour. Bosalelaki nzambe na esengo. Oh, ceux qui viennent après. Oh, bakoya sima. Seigneur il a dit, même de lui-même vous allez faire plus que moi. Kolo alubaki na ye moko kutu bokosala minko le kangai. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. De lolenge ono mosala ya Nzambe ezali. La communauté peut être debout. Lisanga tokokotele mabiso bango. Je ne suis pas autorisé à prendre votre main. Na pesa minzela te pote na simba loboko na bino. Mais prenez mon cœur. Ne bozwa motema na ngai. Tout comme la faute patriarche est acquise aujourd'hui. Prenez son cœur. Ndenge pe ntoma mokonte azala kisasa lelo bozwa motema na ye. Avec cela. Na yango, nous enlevons de vous le mandat d'apôtre. Tozolongola likolo na bino etinda ya bontoma. C'est votre responsabilité. Longoli kilo oyo. Mais vous restez notre apôtre. Zokande bozo tika la ntoma na biso. Nous avons encore besoin de vous. Tozali susu na posa na bino. De votre connaissance. Tozana posa boye bino. De vos prières. Tozana posa losambo na bino. Même pour trois fois de votre fraternité. On a milité bonde konabino pelokola. Cela nous donne la joie. On l'a fait sa vie de Sengo. Mais comme vous avez été des exemples. Lokola bino bozala kabanda kisa. Et je sais que aussi à la retraite vous êtes
aussi des exemples. Et l'apprentissage ne peut pas s'arrêter. Vous pouvez être toujours des témoins de notre Seigneur, même dans votre retraite. Au nom de la communauté, de notre apôtre Patriarche, de nous-mêmes. Merci pour votre amour. Merci pour ces œuvres de sacrifice. Merci à vos familles. Nous avons accepté ce partage. Et ensemble, nous prions que la bénédiction, la paix vous accompagne. Pas quelques jours, mais dans l'avenir. Merci beaucoup. Je pense qu'il est prévu. Des bouquets. Merci beaucoup. Matin Dominique. Prenez place. Bonjour, Bistika. Bovanda. Bien aimé, avec une étape pareille, bien sûr, il y a ceux qui vont à la retraite, il y a ceux qui doivent venir remplacer, continuer l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que, par mandat de l'apôtre patriarche, il nous a autorisé à procéder à la l'ordination. Il s'agit de l'ancien Bangawe Pama pour Kin Sud. Ancien aviso Bangawe pour Kin Sud. Évangéliste du district Bariza Senigi pour plateau de Bateke. Ezaline évangéliste aviso du district Bariza Senigi pour plateau de Bateke. Notre évêque Boabwa Roger pour Bafle. Évêque Naviso Boabwa Roger pour la Bafleu. Notre évêque Etedika Oscar pour le nouveau chant apostolique de Équateur Badolité. Et évêque Naviso Etedika pour la Équateur. Notre berger Mukinda Eli de Kinshasa Ouest. Et berger Naviso Mukinda pour la Kin Ouest. Et notre ancien de district Ngolo Woto pour Kinshasa Sud-Est. Venez, chers frères, devant l'autel ici. Distance. Venez. Mes bien-aimés, nous avons été hier ensemble en réunion. Nous avons parlé, peut-être ça fait beaucoup à la fois, mais comme l'apôtre patriarche ne pouvait pas venir non plus l'année passée. Et l'œuvre continue. Donc, l'année prochaine, il y aurait d'autres retraites. C'est de cette façon, avec l'apôtre patriarche, on a pris cette décision de procéder. Comme on a pu dire hier, ce n'est pas une étape simple aujourd'hui. Comme extension d'un mandat préexistant.
Mais c'est un pas fondamental dans l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas né apostolique depuis hier et vous êtes des serviteurs de Dieu en œuvrant en ministère sacerdotal. Et aujourd'hui, vous recevez le ministère d'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'habilité de faire tous ces différents actes, l'autorité, le pouvoir, de proclamer l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, l'évangile, de pardonner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le péché, de pouvoir aussi baptiser avec le Saint-Esprit, de pouvoir ordonner aussi des frères de ministère, mandater aussi en collaboration avec l'apôtre du district. En fait, tout ce que le Seigneur Jésus a prévu pour le salut comme prérequis afin qu'il atteigne le succès, il confie aujourd'hui en vous. Et cela devrait nous rendre tout humbles. Peut-être pour quelques-uns, vous dire, ah, regardez-moi, j'ai ce pouvoir. Le serviteur qui reçoit une telle responsabilité de notre Seigneur Jésus-Christ doit être humble. Et animé d'un souci de pouvoir faire ce qu'on doit faire. Je ne veux pas couper court, mais parce que c'est un acte important. Mais que vous puissiez œuvrer avec amour. Amour envers notre Seigneur Jésus-Christ, son œuvre. Envers les membres. Dernièrement, l'apôtre Patriarche a donné ce conseil. Ne venez pas comme monsieur, je ne sais pas, Etedika, je viens ici à Bado, je suis votre apôtre. Venez comme un apôtre au nom du Seigneur. Et il se fait qu'il s'appelle Etedika. Et vous êtes un apôtre avant d'être une personne avec ces différentes qualités. Comprenez, pensez-y. Dernièrement, l'apôtre Patriarche a dit dans le catéchisme, on décrit un peu le travail de l'apostolat. Et en quelque sorte, c'est notre travail afin que l'âme se sent à l'aise dans l'œuvre avec une relation sereine avec notre Père Céleste. Et c'est une belle façon de décrire notre travail. De pouvoir établir et maintenir cette relation sereine d'un membre avec notre Père Céleste. De maintenir cette relation sereine avec les membres les uns avec les autres. C'est un grand travail. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide de l'Éternel, avec sa main droite, on le ferait. Je demande à la communauté d'être debout. Et maintenant, je vous demande, si vous êtes prêts, acceptez le ministère d'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. De pouvoir aimer notre Dieu de tout votre cœur, notre Seigneur Jésus-Christ avec tout votre cœur. De travailler en l'unité dans l'apostolat. Avec les apôtres qui sont en unité
avec notre apôtre patriarche. Et longo na bantu mo banso ba ibaza na bo moko na toma na biso moko. En unité envers votre apôtre du district, votre apôtre patriarche. Bo moko na toma na biso ya district pe toma na bino moko. Conforme à la doctrine de notre église. Pe yenge bene na mabongi pe manaka ya église na biso moko. Vous êtes très disposé à aimer les enfants de Dieu. Que bo bongi sami po te bolinga bana ya Nzambe. Peu importe la différence et leur qualité. Atako soki baza ya ko kesene bolamu na mango to mabe. Si c'est ainsi, c'est votre désir. Je vous demande de faire un oui devant Dieu, devant la communauté. Est-ce bien votre désir? Est-ce que yangonde mokano na bino? Prions. Cher Père Céleste, tu as écouté le oui de ses serviteurs. Tu as écouté une expression venant d'un homme. Tantôt fort, tantôt faible. Mais accorde ton aide, accompagne-les. À ceux qui entament comme vœux aujourd'hui. Accorde ce ministère, accorde à eux le pouvoir nécessaire. Sanctifie-les. Et sanctifie-nous. Afin que nous puissions dispenser ce dont ils ont besoin. Afin qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs de Christ. Et ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Nous te demandons ceci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Agenouillez-vous. On combat Tata Mwana Pemolimo Monsanto. De Yango Bokomi Beba Konexake Lumbia Christo. Pozima Sengeli Pona Kosakola Sanguelam. Boyamba Pebondima. Et tinda pe makoki ya koyeba kosakola au kombo a kolona biso Yesu Kristo olimbisi ya masumu boyamba makoki pe etinda ya kopesa libati ya molimo mosantu libati ya molimo mosantu. Pour être beaucoup qui s'en mêlent, nous sommes au souquet que nous allons faire pour ça. Pour être beaucoup qui s'en mêlent, pour être vendus, ça mêlent, nous sommes à l'intina. Pour être vendus, ça mêlent, nous sommes à l'intina. Pour être vendus, ça mêlent, nous sommes à l'intina. Pour être vendus, ça mêlent, nous sommes à l'intina. Pour être vendus, ça mêlent, nous sommes à l'intina. Et tinda pe makoki ya kupesa mosala basali na kati eglesia ya Nkolo Yesu okombo ya Tata Nzambe mwana pe molimo mosantu elongo pe na bomoko na ba ebazali boso na bino obongo bokoka kosalisa mosala ya Nzambe. Naiteni ya mabele na bino elongo na basali basipe mibali ba basali. Bobangate. Kolo azana bino. Azopesa bino bokasi. Pe esengo na kati ya mosala ya Nzambe. Oyekopesa bino makoki ya kokoba. Azali pene pene na bino. Azopesa bino kimia. Pwete bino pe bokoka kokabola esengo oyo. Na lisanga pe na baebanso bokosalaka na bango mosala. Mapamboli ya Nzambe etambola na bino. Lelo pe libela na libela. Kika ngolu ya Nkolo na biso Yesu Kristo. Ezala na bino lelo pe libela na libela. Amen. Kotelema bandeko. Totombeli bino boye bolamu na bolongo ya bantoma.
totombeli bino pe bokasi ebele esengo mingi koleka bozala banzene neke ya nkolo na biso pe beba kolekisa elongi ya Kristo na esengo monene mpenza mpe na lisungi monene na mosala ya Nzambe. Matondo mingi po ete bondimaki. Bozwa bisika. Voilà, mais bien aimé, c'est fait. Si Kavaligavi écoute Sami. Nous voulons clôturer ce service divin avec une prière ensemble. Prions. Cher Père Céleste, du fond de cœur, merci. À la fois pour la parole, pour le pardon que tu nous donnes, pour la Sainte Seine, avec nous présents, ceux qui sont reliés à nous. Mais avec nos bien-aimés de l'au-delà, pour ses frères retraités, pour ses nouvelles apôtres, cher Père Céleste, ce sont des dons qui nous arrivent de tous les côtés. Mais merci aussi, nous avons connu ton aide et ta grâce de différentes façons. Même ce qui est un peu plus triste, nous prenons de ta main. La communauté exprime le merci aussi avec l'offrande. Que ta bénédiction reste sur cette offrande. Ainsi que sur tous ceux qui œuvrent, qui sacrifient dans ton œuvre. Qui ne se fatigue pas. Que nous puissions rester liés avec notre apôtre patriarche. Que ces prières continuent à couvrir ton peuple dans ce pays. Mais aussi que tes anges nous accompagnent chacun sur le chemin. Que ton fils vienne vite. Nous soyons tous dignes pour son arrivée. Nous te rendons cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci beaucoup. Prenez place, s'il vous plaît. Chorale peut chanter une chanson.
Merci beaucoup. Des fois, j'ai peur pour le toit que ça va s'éclater. Mais que Dieu écoute et exauce aussi vos chants de louange. Merci à nouveau pour vos prières. Je sais qu'il y a beaucoup, nous tous avons prié. Gloire soit à Dieu. Je suis sûr, tout juste, nous allons parler avec notre apôtre patriarche. On peut transmettre aussi vos salutations et le soutien de vos prières aussi pour lui. Est-ce possible? Merci beaucoup. Nous voulons tout simplement aussi profiter pour rappeler. Je vois un ou deux tricheurs là, courage, qu'on continue à porter le masque. De se laver les mains, garder la distance. Ça prend le courage. Mais on est en troisième vague et ça touche l'œuvre de Dieu même. Et nous ne voulons pas perdre un d'entre vous. Ou je sentirai très mal à cause de mon inconscience ou ma faute que un doit être soit touché ou pire doit passer. Nous prions pour vous, soyez courageux, patience. Montrez l'exemple aux autres. Dieu va bénir. L'obéissance, comme on a dit, on est assuré de sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse richement. Alors pour ceux qui ont le temps, la chorale peut chanter un ou deux services divins finis.
Notre applaudissement, nous ne voulons pas vous donner louange. Je sais que vous donnez louange à notre Père Céleste. Maboko na biso eza pona kokumisa bino te kasi ezali po ete banso tozokumisa nde Nzambe na biso. C'est une façon pour nous seulement de vous encourager à servir le Seigneur. Ezali lolenge na biso ya kopesa bino bokasi po ete boko bakosala Nzambe. Merci pour votre amour et tout. Matondo pona boligo na bino. Vous êtes prêts pour une dernière ou bien ça va? Bolembi toto bakisa lisusu moko kaka ya suka. Je pense qu'on est d'accord. Ngai pena ndimi. S'il reste un pour le dessert. Soket kalimoko, bozongo nga kobeta yango.
Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse tous. Matondo mingi, matondo pote bozala ki motema molayi, zamba pambola bino mingi koleka. Et à bientôt. Tiro bokuta ni bosusu.